Bonsoir et bienvenue dans votre émission. Il est minuit. Nous sommes lundi. Et lundi 11 juillet 2017 et il est 20h25 pratiquement heure locale. Voilà, donc je crois que nous sommes le 11 juillet, si je ne me trompe pas. Le 10, effectivement. Merci. Voilà, donc nous sommes le 10, le 10 juillet 2017. et Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Bienvenue hein, donc dans votre émission. Euh, il est minuit, il est minuit à l'horloge des dieux. Voilà. Seigneur, nous te confions toutes choses. Nous te bénissons pour ta fidélité, pour ta grandeur, pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelé. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant, Dieu d'Israël. Entendons-nous prions, Seigneur. Nous bénissons Jérusalem, nous bénissons Israël, nous bénissons la Palestine, nous bénissons, Seigneur, mon Dieu Père, euh, le Maghreb. Nous bénissons les nations. La France également, on nous dit Yeshua, sans oublier, bien sûr. L'Afrique et les îles, on nous dit Yeshua. Amen. Voilà. Nous sommes dans deux Pierre chapitre 3. Nous lirons, et, euh, à partir du verset, euh, et, euh, nous lirons juste le verset 17. Voilà. 2 euh, De Pierre deux pierres trois, et, euh, par, pardon, à partir du verset premier. Voilà. Donc, euh, euh, autant pour moi donc voilà mes bien-aimés c'est ici la seconde lettre que je vous écris afin de réveiller dans l'une et dans l'autre par mes avertissements les sentiments purs que vous avez et afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites auparavant par les saints prophètes et du commandement que vous avez reçu de nous qui sommes apôtres du seigneur et sauveurs Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs se conduisant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avenement Car depuis que les pères sont morts, toutes choses demeurent comme elles ont été dès le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, et que la terre est sortie de l'eau, et qu'elle subsiste au moyen de l'eau, et que par ces choses-là, le monde d'alors périt étant submergés par les eaux du déluge mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole étant réservés pour le feu au jour du jugement et de la destruction des hommes impies mais il y a une chose que vous, vous ne devez pas ignorer mes bien-aimés c'est qu'aux yeux du seigneur un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour le seigneur ne tarde pas ne retarde pas l'exécution de sa promesse comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard mais il est patient envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, et en ce jour-là, les cieux passeront avec le bruit d'une effroyable tempête, et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu, et la terre, avec toutes les œuvres qu'elle renferme, sera brûlée entièrement. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elle ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, en attendant et en attendant l'avenement du jour de Dieu, par lequel les cieux étant enflammés seront dissous et les éléments se fondront par l'ardeur du feu. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà, donc je voudrais juste, euh, ce soir en fait il va y avoir... Euh, deux euh, émissions euh, et euh, deux enseignements. Voilà, le premier euh, va être euh, juste un enseignement sur un court enseignement sur le Seigneur Yeshua. En fait, je voudrais euh, vous partager. Euh, je veux vous partager ce que Dieu m'a mis à cœur ce matin pendant que je méditais. Et, euh, et comme vous le savez, frères et sœurs, nous, notre message principal est Christ. Jésus-Christ, le Nazaréen. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, nous le faisons pour Sa gloire et nous voulons, et euh, à tout prix, et, euh, le glorifier. Et, et surtout, nous voulons parler de Sa divinité parce que Sa divinité est remise en cause depuis, euh, bien sûr, euh, la nuit des temps, depuis des années. Et euh, car l'ennemi de nos âmes, Satan, n'aime pas qu'on parle du nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un message qui dérange Satan, les satanistes, les hommes qui ne veulent pas de Dieu. C'est bien sûr le nom de Jésus-Christ. Si vous parlez de Dieu aux gens, ça passe. Si vous dites que je crois en Dieu, ça passe, parce qu'il y a plusieurs Dieux. Et euh, mais il n'y en a qu'un seul qui est vrai, et c'est Jésus-Christ, bien sûr. Et euh, donc, dès l'instant où vous commencez à parler du nom de Jésus-Christ, ça dérange. Et justement, nous avons reçu la mission, nous, chrétiens, de parler de Jésus-Christ au monde, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom sous le ciel, selon Actes chapitre 4, versets 10 à 12. Par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom qui nous est donné, qui nous a été donné, c'est le nom de Yeshua, le Messie. Alors, je voudrais partager rapidement sur, euh, la, 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 sur le jour de Yahweh. Et plusieurs expressions sont utilisées dans les Écritures par les prophètes juifs pour parler de ce jour. On nous parle du jour de Yahweh ou jour de l'Éternel, on nous parle du jour du Seigneur, on nous parle de du jour de Christ, du jour du Seigneur. Et euh, est-ce que la question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que le jour de Yahweh est le même que le jour de Christ Donc, si le jour de Yahweh est le même, c'est le même jour que le jour et pareil que le jour de Christ. Cela voudrait dire que Christ est Yahweh, Jésus est Yahweh. C'est ça le, le message en fait de ce soir, c'est de vous démontrer, de vous prouver par les Écritures que Jésus-Christ est bel et bien et bel et bien Dieu, que Jésus-Christ est bel et bien Yahweh, qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu, que Dieu est un et indivisible. Et son nom, bien sûr, c'est Yeshua, le Messie, Jésus-Christ. Frères et sœurs, allons dans les Écritures. Regardez bien ce que 2 Pierre 3, 10 dit. On va relire encore 2 Pierre 3, 10. Qu'est-ce que nous lisons ici Or le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et en ce jour-là, les cieux passeront avec le bruit d'une effroyable tempête, et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu, et la terre, avec toutes les œuvres qu'elle renferme, sera brûlée entièrement. Retenez bien ici, hein, si on va, on va, on va souligner vraiment là le, le jour du Seigneur d'abord, le jour du Seigneur. Alors, de quel Seigneur parle-t-on ici Parce que il y a plusieurs Seigneurs, nous dit aussi euh, l'apôtre Paul. Il y en a un qui s'appellent Seigneur. De Corinthiens euh, euh, Corinthien, chapitre 8, euh, Paul dit hein, dans ce passage qu'il y a des êtres hein, qu'on appelle aussi Seigneur. Satan, on l'appelle aussi Seigneur par, ses, par ses, ses esclaves. Et il y a aussi des Monseigneurs d'une église que beaucoup connaissent. Mais de quel Seigneur parle-t-on ici est-ce Yahweh? Est-ce Jésus? Est-ce que Jésus est Yahweh? Est-ce que Yahweh est Jésus? Donc, on nous dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Voilà. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mes amis, c'est pas moi qui le dis. C'est écrit. Maintenant, de quel Seigneur parle-t-on? Alors, nous allons, bien sûr, et nous allons voir rapidement dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 voilà seigneur merci pour euh, pour ta parole donc euh, le chapitre 3 donc euh, et euh, nous lirons à partir euh, du verset euh, euh, 3 donc l'église euh, morte hein. donc le seigneur s'adresse à l'église morte à l'église de Sardes. on peut même commencer à partir du verset premier pour la bonne compréhension la parole de ce 3, en 1 écrit aussi à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues. Garde-les et repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle, à quelle heure je viendrai contre toi. Waouh. Donc ici, qui parle? On nous dit celui qui parle a les sept esprits de Dieu. Donc quelqu'un qui a les sept esprits de Dieu, sept étant le chiffre de l'absolu, de la perfection, donc celui qui a les sept esprits de Dieu ne peut être que Dieu lui même. Voilà. Parce que s'il a les sept esprits de Dieu, et s'il n'est pas Dieu, alors, Dieu, l'autre Dieu, là, il a quel esprit? Parce que les sept esprits sont, n'est-ce pas, les sept esprits appartiennent à celui qui parle ici. Donc voyez bien que rien qu'ici, là, mes amis, la Trinité tombe. Voyez, rien qu'avec ce passage là. Donc celui qui parle ici a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Et celui qui parle ici dit qu'il va venir comme un voleur. Il va venir comme un voleur. Je crois qu'il y a un petit 1 là. Il y a un petit commentaire là, On va cliquer sur... Euh, voilà. Donc, il va venir comme un voleur, effectivement, mes amis. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous annonce clairement. Donc, euh, on va recliquer sur le, le 1 là, s'il vous plaît. Donc, euh, voilà. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ annonce euh, clairement. Et... Euh, voilà. Regardez bien dans Matthieu 44. Matthieu 24, pardon. Le verset 42, par exemple. Matthieu 24, 42. Qu'est-ce que nous lisons? Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur doit venir. Mais sachez ceci, que si un père de famille savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne le serait pas percer sa maison. Voyez? C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc vous voyez bien qu'il est question ici de Yeshua, le Fils de l'homme. C'est lui qui doit venir. Donc le jour du Seigneur dont parle Pierre est le jour de Jésus. Jésus-Christ, c'est lui notre Seigneur, car il n'y a pas d'autre Seigneur euh, que lui. Hein il, il est le Seigneur des Seigneurs, nous dit Apocalypse chapitre 19, verset 12 à 13. Mes amis, donc vous avez compris que le Seigneur est vraiment... Et euh, 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 le, jour du, le jour du Seigneur, c'est le jour de Jésus-Christ. Voilà. Donc je voudrais d'abord commencer par les écrits de la nouvelle alliance pour vous montrer que euh, Jésus-Christ est vraiment Dieu, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui, Yahweh. Allons voir. Donc on a vu la première expression, le jour du Seigneur. Et on a compris que ce Seigneur-là, c'est Jésus-Christ, parce qu'il viendra effectivement pendant la nuit. Voilà. Donc, euh, et euh, Matthieu 25 le dit également. Regardez bien, Matthieu 25 et, euh, nous dit que au milieu de la nuit et on cria, hein, euh, Matthieu 25 juste au verset 6. Or à minuit il se fit, il se fit un cri disant voici l'époux aller à sa rencontre. Donc on voit bien que euh, au milieu de la nuit hein, donc à minuit un cri se fait entendre voici l'époux. Or cet époux là c'est Jésus-Christ. Paul dit dans 2 Corinthiens 11. Je suis jaloux de vous, aux Corinthiens notamment, car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà, donc Jésus-Christ est vraiment le Dieu véritable. Allons voir dans deux Thessaloniciens chapitre, chapitre 2. Là, nous avons une autre euh, euh, expression concernant le jour du Seigneur. Or, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, Jésus Christ, et notre rassemblement auprès de lui. Mes frères, nous vous prions de ne pas vous laisser rapidement ébranler dans vos pensées, ni troubler par une inspiration, inspiration, ni par une parole ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour de Christ était imminent. Donc, nous avons aussi ici, nous avons une deuxième expression. La première, c'était le jour de, du Seigneur. La deuxième, c'est le jour de Christ c'est la même chose sauf que c'est c'est les noms qui, noms qui changent donc jour du seigneur c'est la même chose que le jour de christ parce que ce seigneur là c'est christ c'est jésus christ et euh, voilà donc on voit bien que euh, le jour du seigneur est le jour de Christ voilà gloire à dieu merci seigneur et euh, parce qu'il est le seigneur de l'église véritable il est le seigneur des chrétiens véritables Bien sûr, Jésus-Christ est notre Seigneur. Et donc là, vous avez le jour de, euh, de Christ. Hein donc voilà, le jour du Seigneur, le jour de Christ, c'est la même chose. Gloire à Dieu pour euh, ces choses, Seigneur, merci. Nous repartons dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 10. Voilà, et trois. allons voir, verset 12, qu'est-ce qu'on y lit là et euh, regardez bien, en attendant, hein, en attendant et en attendant l'avènement du jour de Dieu. Donc là, nous avons une, une troisième expression qui parle du jour du Seigneur. Et euh, c'est le jour de Dieu. Donc d'abord, on a vu le jour du Seigneur. Deuxièmement, le jour de Christ. Troisièmement, le jour de Dieu. Donc, moi, je ne comprends pas les gens qui ne veulent pas reconnaître la divinité de Jésus Christ. Hein? Mais c'est ça, Jésus est Dieu. Les Écritures le disent. Les gens auraient voulu que Jésus Christ euh, vienne et qu'il dise euh, C'est moi votre Créateur, c'est moi qui vous ai créé, voilà comment j'ai. Mais attendez, attendez. D'ailleurs, il a dit. Il a dit. Et euh, Et les Écritures sont claires, mes amis. Jour du Seigneur, jour de Christ, jour de Dieu. Donc Jésus est Dieu. Or, il y a un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le jour de Dieu. Le jour de Christ, c'est le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur, c'est le jour de Dieu. Donc Jésus est Dieu. J'insiste là-dessus, chrétien. Il vous faut des arguments solides pour défendre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc nous avons vu dans les Écritures de la Nouvelle Alliance ces trois expressions. Jour du Seigneur. Pourquoi Seigneur Parce que là, l'accent est mis sur le côté royauté. C'est le jour du roi des rois, parce qu'il reviendra établir son règne sur la terre. Voilà. Ça, c'est le, c'est pour cela que l'expression jour du Seigneur est utilisée. C'est, c'est pour mettre l'accent sur la dimension et euh, euh, royale de ce Dieu tout-puissant. Ensuite, jour de Christ. Pourquoi eh bien, Christ, Messie, Messie veut dire celui qui a reçu l'onction, celui qui est oint, celui qui a reçu l'Esprit sans mesure, celui qui a les sept Esprits de Dieu. Pourquoi Christ, justement Mais pour, pourquoi Parce que le Messie est celui qui libère, parce qu'il va venir libérer son peuple, parce que l'onction, n'est-ce pas, c'est elle qui brise, qui brise les jougs hein, des hommes, les jougs du péché, des démons, de la sorcellerie, de la magie. Parce que... Israël attend le messie justement il va revenir d'abord pour l'église ensuite pour son peuple physique les hébreux n'est-ce pas alléluia gloire à Dieu alléluia et euh, alors pourquoi Dieu pourquoi le jour de Dieu bah ben oui parce que euh, le Dieu véritable sera connu sera révélé au monde entier c'est pour cela le jour du Seigneur hein, mes amis est à la fois le jour de Christ et le jour de Dieu Christ pour libérer le peuple pour guérir le peuple pour libérer nous libérer des chaînes de ce monde et, hein, Seigneur pour sa royauté établir sa royauté sur la terre le millénium et le jour de Dieu ben parce que la terre connaîtra hein, le seul véritable Dieu comme Zacharie le dit toutes les nations iront adorer Dieu à Jérusalem. Voilà. Mais il y a une quatrième expression en relation avec le jour du Seigneur. C'est le jour de Yahweh que les prophètes de la Torah, du Tanakh, ont utilisé. Nous sommes, bien sûr, dans le livre de de, 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 d'Esaïe, chapitre 2, verset 12. Esaïe chapitre 2, verset 12, à partir du verset 12. Car il y a un jour assigné par Yahweh des armées contre tout, or, tout homme orgueilleux et hautain, contre tout homme qui s'élève afin qu'il soit abaissé. Donc les Écritures ici nous disent qu'il y a un jour hein, pour Yahweh, un jour désigné par Yahweh. C'est le jour de Yahweh. Donc Yahweh est le Seigneur le Seigneur. Yahweh est le Christ. Parce que c'est son jour, c'est le jour de Christ. Yahweh et Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Yahweh et Jésus. Voilà, Jésus et Yahweh. Voilà, mes amis, Alors, en tout cas, la corrélation est facile à faire pour ceux et celles qui aiment le Seigneur, qui sont sincères dans leur cœur et qui ne sont pas tordus, qui aiment la, la vérité, qui cherchent la vérité. Voilà, la corrélation entre Yahweh et Jésus-Christ. Voilà. Et ensuite, l'expression le jour du Seigneur, le jour de Yahweh est, est utilisée au moins 19 fois dans les écrits du Tanakh nous sommes dans Ésaïe chapitre 13 verset 6 Ésaïe 13 6 et euh, qu'est-ce qu'on y lit Hurlez car le jour de Yahweh est proche il vient comme un ravage du tout-puissant Voilà donc le jour de Yahweh est proche vous voyez, Paul a parlé hein, d'Adoute Sanusia là-bas, que ne, ne, ne soyez pas troublés parce que euh, le jour de Christ n'était pas encore euh, voilà euh, proche, euh, imminent. Mais là, le jour de, 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 de Christ, et là, ben, Esaïe nous dit que le jour de Christ est, est, est proche. Et, euh, et Paul voulait faire comprendre aux chrétiens que si quelqu'un vous disait que le jour du Seigneur avait déjà eu lieu, euh, était déjà arrivé, qu'il ne fallait pas les, les, les croire parce qu'il y avait des gens qui, disaient, qui faisaient croire aux, aux chrétiens que le jour de Christ était déjà arrivé. Et beaucoup, de, beaucoup parmi eux perdaient leur, 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 leur foi. Voilà, donc euh, le jour de Yahweh est proche. Nous okay. sommes dans euh, Ézéchiel chapitre 13, verset 5. Ézéchiel 13, 5, voilà, et euh, vous n'êtes point monté devant les brèches et vous n'avez point réparé les murs pour la maison d'Israël afin de vous tenir debout pour le combat au jour de Yahweh. Donc c'est un jour de combat, le jour de Yahweh, voilà. Et euh, Ézéchiel 30, le verset 3, Ézéchiel 30, verset 3, car le jour est proche, oui. Le jour de Yahweh est proche, c'est un jour ténébreux, ce sera le temps des nations, ce sera le temps des nations. Voilà, l'épée viendra sur l'Égypte, on va parler de tout ça tout à l'heure, et sur il y aura de l'effroi en Éthiopie. Donc on va voir que c'est le jour de Yahweh, ça va, être, ça va être, ce sera un jour où Dieu va aussi, n'est ce pas, juger l'Afrique. Voilà, donc on va pouvoir en parler tout à l'heure. Et euh, voilà, donc là, on voit d'autres passages hein, qui font allusion au jour de Yahweh. Nous sommes dans le livre de Joël, chapitre 1, verset 15. Hélas, quel jour Car le jour de Yahweh est proche. Il vient comme un ravage fait par le Tout-Puissant. Hein, par le Tout-Puissant, donc vous voyez, Isaïe hein, en a parlé, Joël en a parlé. Voilà, donc... Euh, nous sommes dans Joël chapitre 3. Donc on a vu Joël chapitre 1, verset 15. Joël 2, 1, pardon. Joël 2, verset, chapitre 2, verset 1er. « Sonnez du chauffard en Sion, sonnez avec un retentissement bruyant dans la montagne de ma sainteté, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de Yahweh vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Donc on s'arrête là pour l'instant. Nous sommes dans et, uh, Joël et uh, chapitre 4. Euh, voilà. Chapitre 3, je crois, et uh, voilà. Et uh, donc là, bah, au verset et, uh, vous premier, car en ce jour-là et en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations. Voilà. Donc là, on voit toujours, hein, c'est le jour de Yahweh, toujours. Donc, il va rassembler les nations. Or, Jésus-Christ dit que quand il va revenir, hein, il va envoyer ses anges qui vont rassembler les nations aux quatre coins d'extrémité. Donc, vous voyez bien que ici, c'est Yahweh qui parlait hein, au huitième siècle par Joël, le prophète, et Jésus-Christ de Matthieu 24 dit la même chose, de Matthieu 25 dit la même chose. Regardez. Dieu ici, au verset 3, au verset 2, il dit, donc Yahweh, hein, je rassemblerai toutes les nations. Je rassemblerai toutes les nations. Allons voir dans Matthieu 20, 25. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons prouver, vous prouver que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Qu'il n'est pas le deuxième Dieu de la Trinité, comme on vous l'a comme on vous l'enseigne. Matthieu 25, 31. Regardez. Or, quand le Fils de l'homme viendra, environné de sa gloire et accompagné de tous les saints anges, alors il s'assirait sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il séparera, n'est-ce pas, les uns avec les autres, comme le bouc, le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Voyez, mes amis, Jésus-Christ le dit lui-même qu'il va, n'est-ce pas, ce sont, quand il va revenir là, il dit que toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et vous ne croyez toujours pas que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, tout le Dieu glorieux. Et euh, c'est quand même terrible. Il faut vraiment beaucoup de foi et euh, pour ne pas croire en la divinité totale de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Il faut vraiment... Euh, et euh, voilà. Donc, euh, nous sommes euh, et euh, dans Matthieu 24, verset 30. Matthieu 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges. Oh, qui enverra ses anges Le Fils de l'homme. Donc Jésus-Christ a les anges, a des anges. Il enverra ses anges pour quoi faire, avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre coins, de quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Donc, vous voyez bien que Yahweh qui disait là-bas, comme on l'a vu, qu'il allait rassembler dans Joël 3 les nations devant lui, mais Jésus-Christ dit qu'il va le faire, il va envoyer ses anges lui-même. Donc, vous voyez bien que Jésus-Christ est Yahweh, le jour de Yahweh est le jour de Christ, ou le jour du Seigneur, ou le jour de Dieu, c'est le même jour. Donc, c'est le jour de Yeshua HaMashiach, le Dieu Tout-Puissant. Il est Père, Fils et Saint-Esprit chrétien, que personne ne vous trompe. Nous voulons vous prêcher ce message-là, pour que vous connaissiez votre Dieu, le Dieu véritable, afin que vous le serviez, afin que personne ne vous trouble, ne vous trompe. Pas des raisonnements impies. Donc, il y a plein d'autres passages qui parlent du jour de Yahweh. Abdias 15, par exemple. Sophonie 1, 7 à 14. Et Zacharie 14.1, Zacharie 14, allons voir dans Zacharie 14, ça c'est encore terrible comme passage concernant le jour de Yahweh. Et Zacharie 14.1, ras... voici le jour de Yahweh arrive, voici le jour de Yahweh arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi, Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles lui fassent la guerre. La ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors Yahweh sortira. Aha. Et il combattra contre ces nations comme il a combattu au jour de la bataille. Verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, de sorte qu'il y, qu y aura une très grande vallée. Une, mo une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le midi, c'est-à-dire l'Afrique. Voyez ici. Donc on dit que Yahweh va paraître. Le jour de, il va paraître et ses pieds vont se poser sur le mont des oliviers. Donc, mais c'est Jésus. Yahweh a des pieds et c'est Jésus. Allons voir dans acte chapitre premier. Nous voulons vous présenter le Dieu véritable chrétien. Nous aimons la vérité, nous aimons Jésus-Christ de Nazareth, notre maître. Acte chapitre 1er. Allons voir ce que les anges ont dit aux apôtres à partir du verset 10. Allons voir. Mais regardez verset 10. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel à mesure qu'ils s'en allaient, voici deux hommes en vêtements blancs se présentèrent devant eux et leur dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous au ciel en descendra de la même manière que vous l'avez contemplé montant au ciel. Vous vous rendez compte Il est monté au ciel, échoue après sa résurrection, de la montagne des Oliviers. Et les anges disent aux apôtres qu'il va revenir de la même manière, c'est-à-dire au même endroit. Et Zacharie nous dit que les pieds de Yahweh vont se poser sur la même montagne, la montagne des Oliviers. Donc vous doutez encore que Jésus-Christ est le Père, le Dieu Tout-Puissant, Yahweh, un frère. Et, et d'ailleurs ce nom, Yeshua, signifie quoi? Yahweh est salut. Donc vous voyez bien que mes amis, Yahweh est venu nous sauver, littéralement. Jésus, Jésus veut dire, Yahweh est venu nous sauver. C'est ça, Jésus. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Voilà, voilà le message qu'il faut véhiculer, frères et sœurs. Croyez en Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, vous serez sauvés. Sinon, c'est la damnation éternelle. Voilà, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Celui qui ne croit pas en Yeshua est condamné et jugé. C'est Jean 3 qui le dit, ce n'est pas moi. N'allez pas me condamner parce que je ne fais que lire ce qui est écrit dans les Écritures. Et je crois que ces écritures ont été inspirées par le Dieu Tout-Puissant. Voilà, mes amis. Et regardez bien, regardez, mes amis, gloire à Dieu. Et euh, nous sommes. Dieu est magnifique. Le Seigneur est magnifique. Il est, il est vraiment glorieux. Yahweh va paraître pour combattre. Yahweh sortira pour combattre. Allons voir dans le livre de Zacharie chapitre 10. Oh là là, quand je parle de Yeshua comme ça, là, je suis tout excité parce que c'est ça le message qu'il faut prêcher. Nous sommes dans Zacharie chapitre 10. Voilà. Et euh, allons voir vers, verset 12 là-bas, là. Et euh, voilà, verset 12. Et, euh, et euh, verset. Euh, Zacharie chapitre 10, ouais, c'est bien ça, hein? à partir du verset, et euh, je crois que c'est Zacharie 12. Voilà, allons voir Zacharie 12, pardon. Zacharie 12, allons voir descendre, on va descendre, on va descendre. Voilà. Et euh, regardez, et, euh, au verset 10. Regardez bien. Et je répandrai. Et je répandrai, qui parle ici, Yahweh, et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. C'est normal parce qu'il a cet esprit de Dieu. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé. Waouh. Donc Yahweh s'adresse aux enfants d'Israël par le prophète Zacharie, avant son incarnation, et il dit qu'il a été percé. Par qui Par son peuple. Waouh. Celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Waouh Qui parle ici C'est Yahweh. Yahweh, ils vont regarder, les Juifs vont regarder vers lui, celui qu'ils ont percé. Hein les chefs notamment, parce que beaucoup de Juifs avaient aussi cru en Jésus-Christ. Voilà. Euh, voilà. Donc vous vous rendez compte, mes amis c'est Yahweh qui parle. Allons voir. Montons un peu. Zacharie, toujours 12. Pour vous, vous allez voir que c'est Yahweh qui parle. Allons voir le verset 9. Regardez bien. Et, euh, regardez le verset 8. Le verset huit. Et regardez le verset 7. Oh là, il y a tellement des choses à dire ici. Yahweh sauvera premièrement. Yahweh sauvera premièrement les tentes de Judas afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne se lève point au-dessus de Judas. En ce jour-là, Yahweh sera le protecteur des habitants de Jérusalem. Et le plus faible parmi eux sera en ce jour-là comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de Yahweh devant leur face. Il y a Dieu et l'ange de Yahweh. L'ange de Yahweh est Dieu lui-même. Et il arrivera en ce jour-là, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé. Voilà. Donc, vous voulez vous vous doutez encore sur le fait que Yeshua est le Dieu Tout-Puissant, le Père de gloire, Yahweh Tout-Puissant, chrétien. Ne croyez pas à ces faux docteurs qui vous enseignent des hérésies, qui veulent amoindrir notre Dieu, notre Yeshua, notre époux, notre Maître, notre Créateur. Allons voir dans Apocalypse chapitre 1, le verset 7. Seigneur, merci pour ta parole. Ouvre-nous les yeux de l'Esprit afin que nous saisissions ta pensée, ta parole. On n'a pas d'autre message, on n'est pas là pour parler de l'argent matin, midi, soir, on n'est pas là pour parler de nous, on n'est pas là pour parler de nous. On est là pour présenter au monde celui qui doit sauve, qui sauve. Voilà. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra et même ceux qui l'ont percé. Donc Jean dans Apocalypse ici confirme Zacharie 12 10. Voilà, et même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront devant lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant, mais qui vient, mais c'est le Seigneur Yeshua, c'est Christ. Et il dit qu'il est le Tout-Puissant lui-même. Il n'y a pas de Tout-Puissant chrétien. Il n'y a qu'un seul Tout-Puissant. Et on nous dit qu'il vient avec les nuées, avec la gloire. Mais c'est Jésus qui vient, mes amis. On nous dit qu'il était. Eh bien oui, il a dit aux, 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 aux Juifs dans Jean 8 avant, avant, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, il était. Il est. Et il vient. Bah ben oui, il était. C'est le passé. Jésus-Christ est le même hier. Donc, il était. Aujourd'hui, il est. Et pour l'éternité, il vient. Il sera. Donc, vous vous rendez compte, frères et sœurs, il y a tellement de choses à dire sur sa divinité. Donc, j'ai voulu juste pendant quelques minutes vous montrer que en lisant les versets, qui font allusion au jour du Seigneur, eh bien nous découvrons en fait la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça casse la Trinité parce qu'il n'y a pas trois personnes qui viennent, il y a un seul Dieu qui vient. Et on nous dit que ses pieds vont se poser sur la montagne des Oliviers. Voilà. Et Yahweh sera roi sur toute la terre dans Aggée 14. Donc il y a tellement de choses à dire là-dessus, donc j'ai voulu juste partager avec vous ces choses-là pour vous encourager. Vous pouvez les partager aussi ici et là afin que les nations découvrent le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable. Que Dieu soit béni, que Dieu vous garde. Ne euh, quittez pas vos postes téléviseurs ni vos ordinateurs si vous avez encore le temps ce soir, parce qu'on va continuer cet enseignement, mais autrement, en vous montrant les images et, euh, et euh, en vous parlant des événements qui vont avoir lieu justement avant le jour de Christ. Et on y est déjà. Ces événements se concrétisent, ces prophéties se concrétisent sous nos yeux. Et vous avez besoin, nous avons besoin de voir ces choses, de connaître ces choses-là, afin de nous préparer pour le retour du Maître. Notre message, c'est Jésus-Christ. Voilà. C'est pour cela que vous allez voir même nos vidéos. Nous commençons de plus en plus à les flouter, à les flouter, parce qu'on ne veut pas être, mes amis, vus. On ne veut pas mettre nos photos sur les réseaux ici et là, parce que nous voulons présenter un seul homme, un seul Dieu. Il est 100% homme et 100% Dieu. Il est tout, la vérité, la vie, la lumière, le chemin. Tout ça, c'est ça le message que vous avez besoin d'entendre. Voilà, voilà. On peut vous parler de la sanctification, on en parle, de la crainte de Dieu, on en parle. Mais si vous n'avez pas d'abord, mes amis, reçu Jésus-Christ, comment voulez-vous le craindre Parce que c'est lui qui nous donne la force pour le craindre. Voilà. C'est de lui, pour lui et par lui que sont toutes choses. Romains 11, 30 à 33. Que Dieu vous garde. À tantôt, comme disent les Belges. Au revoir. thank <laughs> you